Après avoir vu les premiers temps de la guerre, puis les morts bretons, corses et indigènes, on s'attaque maintenant à trois idées reçues sur un sujet toujours aussi polémique, les fusillés de la Grande Guerre. Les mutineries de 1917 ont énormément marqué l'imaginaire collectif, notamment dû au fait que entre 300 et 600 soldats ont été condamnés à mort. Mais qui dit condamnation ne dit pas forcément exécution. Durant toute la durée du conflit, et un tout petit peu après, on estime que 1 millier de personnes sont passées par les armes. Parmi eux, André Bach a pu recenser environ 620 soldats. 620 soldats fusillés donc, pour plus de 200 000 décisions de justice rendues, dont 2 500 condamnations à mort, y compris celles qui ont été commuées ou qui ont bénéficié de grâce. Et quand on regarde année par année le nombre de ces exécutions, eh bien on constate ceci. D'après les recherches du collectif Prism 14-18, les 620 soldats recensés par André Bach ne concernent que le front occidental. Ils représentent tout de même 87% des soldats français et coloniaux exécutés sur un total estimé à plus de 710 personnes. À cela, il faut ajouter l'exécution de 24 soldats allemands ainsi qu'une centaine de civils. Enfin, 572 soldats ont été condamnés à mort par contumace pour désertion, dont plus de la moitié le sont en 1916. Précisons que, dans cette première période, ces condamnations sont l'œuvre des conseils de guerre spéciaux mis en place jusqu'en 1916. Une justice militaire expéditive dont la cour ne comprend que trois juges, tous officiers, avec la possibilité de faire le moindre recours. Environ 80% de ces exécutions relèvent de désobéissance devant l'ennemi ou d'abandon de poste. Les autres exécutions se partagent entre désertion, voie de fait, mutilation volontaire, oubli de salut, vol, bref, des condamnations qui peuvent paraître un peu excessives. Mais ce qui frappe avant tout, c'est que ces exécutions, elles ont lieu dans un seul but, garantir l'ordre et la discipline dans les troupes. Ainsi, le 1er septembre 1914, le général Rabier, commandant de la 4e division d'infanterie, déclare. Certains soldats se livrent au piège et à la maraude, c'est-à-dire se mettent dans le cas d'être condamnés séance tenante à la peine de mort. Le conseil de guerre de la 4e division d'infanterie, tel qu'il est prévu par les articles 1 à 9 du décret du 2 octobre 1870, fonctionne chaque jour à partir de maintenant pour réprimer ce genre de fautes. Il est devenu nécessaire de faire des exemples, ils seront faits. Cette réaction violente a trait au fait que la plupart des militaires de carrière ont très peur d'une mauvaise obéissance de la part de la troupe, essentiellement issue du monde civil. Et si c'est d'autant plus vrai dans un contexte extrêmement compliqué militairement parlant, notamment au début de la guerre, ça l'est également dans le cas de l'arrivée d'un nouvel officier commandant. Ainsi, le rappel de la discipline est théâtralisé, et le pauvre soldat qui a fauté au mauvais moment passe à la casserole. Ainsi, la troupe est mise au garde-à-vous devant la macabre cérémonie, au point d'appliquer des textes vieux de 2 siècles selon l'historien Emmanuel Saint-Fucien. Mais comme on l'a constaté, le nombre d'exécutés ne fait que diminuer avec le temps, et ce malgré quelques pics, notamment au lendemain de l'offensive ratée du chemin des Dames. Et pour cause, la reprise en main par le gouvernement et le parlement des affaires militaires remet en question cette justice expéditive. En outre, la mobilisation de la Ligue des droits de l'homme ainsi que certaines familles de fusillés permet la réintroduction par la loi du 27 avril 1916 de droit à la défense, en particulier les demandes de grâce et les enquêtes. Et si le général Pétain rétablit dès juin 1917 les tribunaux spéciaux, celui-ci fait machine arrière très rapidement, voyant que la défiance entre l'état-major d'un côté et les citoyens soldats de l'autre est dégradée. Sur 600 condamnations à mort liées aux mutineries, seules une trentaine seront effectivement exécutés. Les autres sont commués, soit en prison, soit en bagne militaire. Toutefois, l'exécution de ces dernières sentences est reportée à l'après-guerre. Deux raisons à cela, la première, éviter de dégarnir les unités, et d'autre part, permettre aux poilus de mourir dignement, si on peut le dire. Toutefois, le constat est sans appel, et la France fait bien partie des pays qui ont le plus exécuté durant la guerre. Ce qui conduit à une nouvelle idée reçue. Et non, c'est ce que nous montre ce graphique. La France est donc officiellement deuxième, derrière l'Italie et son millier de fusillés, et devant la Grande-Bretagne avec 306 exécutés, auxquels on pourrait ajouter 25 Canadiens dont le pays fait partie du Commonwealth.
On soulignera d'ailleurs le très faible nombre d'exécutions officielles du côté belge, américain, seulement une année d'engagement, et surtout allemand. À cela s'ajoutent divers constats et limites. Tout d'abord, on ne connaît pas les données concernant la Russie et l'Autriche-Hongrie, ce qui fausse totalement les résultats. On pourra mettre cela sur la probable absence d'archives à ce sujet, dont une partie a été probablement détruite durant les révolutions 1917 concernant la Russie, mais surtout la barrière de la langue et l'éclatement des anciens empires, notamment l'Autriche-Hongrie. Ensuite, la faiblesse du nombre d'exécutions officielles côté allemand est sujet à caution, car il ne met pas en lumière les exécutions sommaires sur le front de la part des officiers. La justice militaire allemande n'était absolument pas aussi clémente. Les officiers avaient droit de vie et de mort sur leurs hommes, comme en France. Et justement, un des principaux soucis qui concerne l'ensemble des pays belligérants, c'est bien évidemment la question des exécutions sommaires, dont il n'existe pas de statistiques. En France, certaines de ces exécutions sont attestées dans des rapports faits au sein des régiments. Ainsi, le 22 août 1914, il est rapporté que 39 fuyards isolés du 173e régiment d'infanterie sont exécutés sur le champ après la désastreuse offensive de Lorraine. Et en Italie, le livre témoignage d'Emilio Lussu, Un anno sull'altiplano, traduit en français « Les hommes contre » et dont le film italien reprend la dénomination, témoigne de la fierté de certains hauts gradés et de leur conception spéciale de la motivation. Et justement, la question du motif de l'exécution a donné lieu à un débat extrêmement vif, surtout en France, concernant la réhabilitation, ce qui conduit à une troisième idée reçue sur la question des fusillés. La question de la lâcheté des soldats qui ont été fusillés a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre, et a notamment servi de principal argument contre la réhabilitation générale de l'ensemble des fusillés français de la Grande Guerre. Pourtant, cette question, il faut prendre d'abord le contexte même de la guerre, et notamment de ses conditions. Et pour cela, pour illustrer mon propos, je vais vous proposer trois exemples qui vont vous montrer qu'il n'est pas question de lâcheter, mais bien d'autres choses. Le 1er septembre 1914, l'officier d'actif commandant Wolf est fusillé pour tentative de faire déposer les armes de la troupe et provocation à la fuite de la troupe en présence de l'ennemi. En octobre 1914, le sous-lieutenant Chapelan est fusillé pour avoir cru être encerclé par les Allemands et d'avoir incité la troupe à se rendre. Et en mars 1915, quatre caporaux de la 21e compagnie du 336e régiment d'infanterie sont fusillés à Soing à titre d'exemple pour refus d'obéissance. Ils avaient refusé de monter à l'assaut lors d'un bombardement violent. Peut-on véritablement parler de lâche? À mon sens, et d'après les analyses qui ont été faites, non. La lâcheté est une notion extrêmement floue, au point de créer la confusion entre diverses réalités. La fatigue, la peur, le shell shock liés aux explosions sont autant de facteurs qui peuvent être assimilés à cette attitude. Les quatre caporaux de soins, par exemple, ont souligné la fatigue et la démoralisation de la troupe. Quiconque montait devait être fauché littéralement soit par les nôtres, soit par le feu des mitrailleurs allemands, ont-ils déclaré durant leur procès. Ces éléments nous rappellent que ces soldats étaient avant tout des hommes comme les autres, avec des réactions humaines face au danger. Reste que ces fusillés ne sont pas des morts comme les autres, ce qui conduit à la difficile question de la réhabilitation. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est certainement le seul ancien belligérant à avoir réhabilité l'ensemble de ses fusillés. En France, malgré un mouvement issu des collectivités locales, y compris de la Corrèze, présidée à l'époque par François Hollande, et un début de volonté politique sous le ministère de Lionel Jospin, l'État reste sourd aux demandes de réhabilitation générale. Ainsi, en 2016, le groupe communiste à l'Assemblée nationale a vu son amendement rejeté par la majorité socialiste sur demande du président François Hollande. Et aujourd'hui, cette question semble totalement abandonnée par le politique. D'ailleurs, histoire de ne pas tout mettre sur le dos de la gauche, les partis droite ne se sont jamais exprimés de manière favorable à la réhabilitation générale de tous les fusillés. Bref, vous l'aurez compris, ces seules trois idées reçues sont insuffisantes pour décortiquer l'intégralité du sujet. Et peut-être qu'un jour, si j'ai le courage, je vous en ferai un épisode dédié. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou entamer une discussion.
Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.